matin tout le monde, bon vendredi, bienvenue à nos vendredis Total Look. Je me présente Alexandra, propriétaire de la boutique Zero Nerd, mode d'importation européenne pour hommes et femmes située à Laval. On est également à zeronerd.com, donc on est partout au Canada. Alors, si vous avez des questions à la fin sur notre vidéo ou même pendant la vidéo, mais on a un peu de la misère à les lire, mais ça nous fait plaisir de répondre à vos questions sur le Messenger ou au téléphone. Je vais vous mettre le numéro de téléphone aussi dans le haut du titre, donc facile à nous rejoindre. Alors, je commence. On est dans nos nouveautés. Vous saviez, j'étais en Europe la semaine dernière pour les achats, puis c'est déjà commencé à rentrer. Donc, je pense que 100% de ce qu'on vous présente ce matin font partie des achats que j'ai faits la semaine dernière. Donc, c'est vraiment chaud, vraiment nouveauté, nouveauté, nouveauté. Je commence avec ça parce que c'est vraiment quelque chose, un look que j'aime beaucoup. On est dans la jupe jeans cargo, dans le gris. C'est beaucoup le retour du denim gris aussi cette saison. Il y en a beaucoup. On était dans les bleus. Il y a encore les bleus, là, ça c'est certain. Mais le retour du noir, du gris dans le denim, il y en a beaucoup. Ça fait différent. Ça s'agence super bien avec plein de couleurs. Donc, regardez les poches. Deux de ce côté-là. Une de ce côté-là avec la fente. Je la trouve super belle. Je la trouve sexy en même temps. Et puis, regardez, je ne sais pas si on va bien voir à l'écran. La chemise, elle a comme vraiment des points de diamant. Donc, ça vient donner un look plus chic. Je suis venue la couper avec une nouveauté aussi. Et je disais aux filles ce matin, là, regardant mon pied, hyper confortable. Vraiment, là, c'est comme léger. Fausse semelle de bois, donc on n'a pas le poids à traîner du bois. Super, super confortable. Et puis, oh, bon, échappé mon soulier. J'aurais pu venir aussi, justement, à cause de la semelle. Je vais vous montrer le lien. Regardez, tu sais, à cause de la semelle, venez couper avec du tan, même un jacket tan. Ça pourrait être super beau comme look. Donc, moi, ce matin, je suis pas comme les... J'étais avec Michel et Chantal. Je suis pas comme eux. Je vais revenir un petit peu plus souvent à l'écran avec des items que je vais réutiliser dans mes autres looks. Donc, Michel, elle s'en vient. Puis moi, je vais revenir juste après Michel vous montrer un item que je trouve le fun aussi à porter avec cette jupe-là. Bonjour tout le monde. Ce matin, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous avons des kits de fou, je vous le dis. Moi, quand j'ai mis ce kit-là, là, ce matin, je me revois dans des années de bonheur où les vêtements étaient texturés, avaient beaucoup de style, de détails, et il y a beaucoup de retours de ça, justement. Juste regardez le manteau que je porte, tapisserie, jean en bas avec la poche, quand même oversize. Je vais vous montrer le dos, comment il est superbe. Et ensuite, en dessous, très important. Je ne sais pas si vous remarquez le jean que je porte là. Il est un peu couleur mousse, mais tellement confortable. Il est ultra stretch. Bande de côté avec le détail. Regardez, je vais me tourner. Poche d'une autre couleur dans les marines. Donc, j'ai choisi... Vous savez, cette année, on va avoir un retour de marine. Donc, j'ai choisi de porter avec un T-shirt, mais un T-shirt en microfibre très, 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 très léger, pas coton, avec un beau détail ici, un peu chic, avec un peu de nylon. Alors, ça donne une dégaine et, tu sais, j'ai pas l'air d'une fille en jean. Moi, là, c'est des trucs là, que je trouve vraiment, vraiment, vraiment beaux. Alors, Chantal ou... Non, ah non, là, c'est Alexandra qui revient avec un item. Parce que c'est un item aussi que je vais porter dans mon autre kit d'après. Donc, veste comme ça, sans manches, toute cintrée comme ça, carreau, gris et marine. Michel vient de parler du marine, justement. Donc, ça fait vraiment un look un petit peu plus chic, officiel. Mais on vient le couper avec le denim. Ça pourrait être super beau avec un denim large. Je ne sais pas, je vais avoir le temps de vous le faire tantôt. Mais ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant avec un beau jeans un peu plus large. Alors voici, je récupère la même jupe, mais d'une façon complètement différente. J'aurais pu mettre un chemisier blanc aussi en dessous, porter la veste ouverte. Donc, il faut vraiment, vraiment jouer avec le garde-robe pour faire plein de looks différents. Donc, je vais revenir avec le même top, mais une autre base. Bonjour tout le monde, bon vendredi, j'espère que vous allez bien.
Et mon Dieu, pour de vrai, on avait la misère à choisir des morceaux. On a tellement de belles affaires, là. Bon, regarde, on va passer tout de suite à l'action. Regardez ce manteau-là. Donc, c'est un manteau, ça, c'est un essentiel dans le garde-robe, intemporel, indémodable. Je prends en sortir d'autres mots. Pour de vrai, c'est quelque chose d'aller ressortir à tous les années. Qu'est-ce qui est le fun? C'est une cuirette, mais il est tellement léger à comparer des... En tout cas, j'ai déjà eu des manteaux de cuir, là, qui étaient lourds, là. Donc, c'était... Mais celui-là, il est vraiment léger. Et il y a un détail ici, je ne sais pas si vous le voyez, je vais m'approcher. Sur le poignet, ici, il y a une poche, une imitation d'une poche. C'est vraiment original. Ils avaient un autre détail ici. Hein? Et ici, excusez-moi, ce côté-là, il y a une autre poche. Et le retour des épaulettes. Donc, moi, j'adore ça. Là. Je trouve que ça donne pour tout le monde un petit peu plus de prestance, là, un petit peu plus, comme on dit, carré. Donc, vraiment confortable. Puis, il y a une belle longueur. Donc, je vais vous montrer ma jupe. Donc, je vais déposer ça ici. Et, bon, cette jupe-là. C'est une jupe qui est comme on pourrait dire, elle a une petite imitation d'un élan, mais elle n'est vraiment pas. Donc, elle n'est pas doublée, elle ne pique pas, elle est confortable, elle a une belle longueur pour éventuellement, vous allez pouvoir mettre des collants aussi pour ceux qui trouvent ça un petit peu plus court. On va pouvoir mettre des bas nylons, même, je pourrais dire, couleur peau, là, bronzée, on va en avoir, ça va être vraiment beau avec ça. J'ai mis une botte haute avec ça, comme vous voyez, mais on pourrait toujours mettre une petite botte courte, puis même un genre de petit escarpin, là, il n'y a pas de problème aussi pour un soulier de course aussi, là, un petit peu, cherche un mot, c'est quoi un soulier de course? Une basket. Une basket! Hey, là, ça fait longtemps, pourtant j'en porte à tous les jours, j'avais un blanc de mémoire. Puis là, je vais passer à mon chandail. Comme vous voyez, le chandail-là, le col roulé, vous voyez, il y a un petit peu plus lousse ici, donc il ne sert pas trop. Le motif zébré. Donc ça, vous mettez toutes les couleurs avec ça. Hein? Kaki, surtout que le kaki est très en force cette année-là, mais avec le tan, les bronzes, vraiment, là, vous avez un pantalon, vous aimez de la couleur, là. Allez-y, bleu royal, là genre, je vais dans les extrêmes pour vous le montrer, là, pour vous donner un exemple, là, à peu près. Puis, il y a une manche comme ça, puis qu'est-ce qui est le fun? Je voulais juste vous dire, le manteau, là, c'était super confo. Les manteaux sont vraiment de plus en plus larges. Donc, quand on a des vêtements comme ça, là, c'est parfait. C'est plus comme avant, serré, les manteaux, qu'on pouvait mettre aucun chandail. Moi, j'apportais mon chandail quasiment à job, puis je le mettais sur place parce que ça ne rentrait pas. Mais c'est merveilleux pour ça maintenant. Donc, puis la jupe, ben, vous pouvez, comme je vous dis, le mettre avec d'autres couleurs aussi. Donc, c'est tout. Je vais faire un tour sur moi-même. Alex est prête. Puis c'est tellement beau. Je reviens. Donc, de retour avec la veste que je portais. Là, je suis vraiment dans le costume deux pièces, veste cintrée à carreaux. Le pantalon, il est tellement souple et confortable. Il est monté sur une taille élastique comme en jeans, mais il fait très, très chic. Regardez la souplesse du tissu qui bouge. Il y a vraiment une bande aussi de denim intégrée sur le côté. Ça fait vraiment là, confortable. Je l'adore. Donc, je peux mettre l'ensemble comme ça, deux pièces. Puis, on a, dans le fond, c'est un trois pièces. Alors, on peut vraiment le jouer vraiment, vraiment costume. Là, ça fait un look plus masculin. Là, on est dans le look habit masculin qui est une tendance très, très forte. Donc, tout en carreau. Mais encore là, comme je vous disais au début, on peut tout déconstruire ça, puis venir porter chaque morceau de façon différente. Donc, comme ça aussi, je trouve ça super beau, envoyer à la peau, mettre un T-shirt blanc. Donc, je vais vous revenir juste après Michel avec mon veston, puis un T-shirt pour vous montrer un look plus sport, même un beau manteau de jeans gris ou bleu marin avec ça pour venir couper. Ça serait magnifique. Oh, c'est vrai, j'en ai un. Donc, je vais vous le montrer aussi après. Alors, un look différent, mais encore tellement, tellement stylé, confortable. C'est très, très, très important, en tout cas pour moi, d'avoir un très beau look, mais d'être très confortable dans le vêtement. Donc, vous voyez, le retour du marine, je vous en ai parlé tantôt. Donc, j'ai une salopette marine et je voulais vous dire que quand on a du marine, on n'est pas obligé de mettre avec... On peut changer, voyez-vous, je les mets avec des gris. Marine, ça peut être avec du tan, avec du bleu pâle, avec du gris. Ça fait différent. Alors, le manteau de jean est magnifique. Je vais me tourner sur moi-même. Et là, je vais vous montrer mon super jumpsuit que
Ça, ça a toujours été mes coups de cœur. Je trouve ça le fun, un beau look. Poche, jambes larges, petite rayure, donc, allonge la silhouette. J'ai choisi de le porter avec un petit t-shirt très simple blanc, ajusté. J'aurais pu mettre un chemisier. J'aurais pu mettre un tricot, un col roulé. Et encore, pour donner suite, tu sais, quand on vous dit des fois de reprendre vos vêtements et de changer, j'aurais pu mettre ça avec un gros tricot par-dessus. Donc, ça m'aurait fait comme une camisole et un pantalon ou une grande veste longue par-dessus, manteau de cuirette. Écoute, il y a des possibilités, là. Et lorsque vous allez venir nous voir, bien, on va tout vous montrer ça. Bon, alors de retour avec mon costume. Et là, je suis venue vraiment le couper avec du blanc, le nœud papillon qui fait le fun aussi. Donc, on peut venir vraiment mettre une couleur ou du blanc. Et je vous montre un dernier thème avec ça. Hier, on avait de la misère à choisir les kits. On avait plein, fait que c'est pour ça que je vous en montre beaucoup avec ça. Mais avec ce trench-là qui est magnifique, il y en a quelques-uns, vous avez vu la photo justement, c'est le trench qui est posé avec une jupe kaki pour notre page Facebook. Là. C'est vraiment beau. Donc, à venir porter comme ça, fait que ça coupe en deux nains, ça donne complètement un autre style, plus sport. Donc, ça fait vraiment intéressant. Puis ça, c'est quelque chose que vous pouvez venir cintrer. Là, je l'avais attaché en arrière, mais tu sais, vous pouvez vraiment venir aussi le fermer. Puis là, des fois, les trenches, là, faut pas trop se casser la tête. Des fois, juste venir faire un nœud comme ça à la taille au lieu de tout rentrer. Vous pouvez me le mettre plus clean, mais regardez avec ça, là, c'est tellement beau, ce manteau-là. Je trouve que ça fait vraiment un look différent. Puis, ça fait quand même chic, même si c'est un trench en denim. Puis, il est doublé, là, il y a une épaisseur, donc c'est pas un petit denim mince. Il va quand même se porter super longtemps, ce manteau-là. Donc, voici. Je tourne. Et voilà, Chantal est prête. Et j'adore le kit à Chantal. me too, moi aussi. Écoutez, regardez ça, je pense que je ne parlerai pas, puis je vais juste faire un tour sur moi-même, là. Non, mais c'est vraiment beau. La jupe, là, est vraiment impressionnante. En passant, c'est taille unique, mais on s'entend gâcher ça. Je l'étire, là, elle s'étire. Donc, quelqu'un qui n'a pas trop d'ange droite, ça va convenir. Elle serait vraiment belle aussi, autant avec un beau tricot, là, par-dessus, là, changer de style. Là, j'avoue qu'on n'a pas le temps. J'aurais aimé vous montrer d'autres styles, là. Mais là, je l'ai mis dans comme ça. C'est vraiment, vraiment super. C'est une grosse tendance en Europe. La cravate, le retour de la cravate, tout ça. Donc, on va commencer, là, par la jupe. La jupe, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'elle est vraiment est épaisse, mais c'est ça qui fait qu'elle est quand même pas lourde, donc c'est ça qui fait qu'elle tient dessus, elle tient vraiment là. Puis elle a une belle longueur midi. Je l'ai mis avec ma botte haute de tantôt, mais j'aurais pu mettre une botte plus courte. Puis même hier, quand j'ai fait l'essai, j'avais mes baskets, puis c'était vraiment beau. Donc vraiment, vraiment. Donc le petit veston, ben, c'est un petit veston court. Comme vous voyez, il y a une petite martingale en arrière. On peut l'ajuster comme qu'on veut. Ouvert, il est très beau, fermé, vraiment avec une taille haute, style bustier en dessous. C'est vraiment, il fait élégant, même avec un jeans, là, c'est vraiment beau. Regardez la manche, le poignet ici, plus large, pas fin ici. Non, il est vraiment original. En entrée de saison, là, ça aussi, là, ça peut être pratique, mettre par-dessus tu sais, des fois, on a des petits chandails, comme Michel l'avait, le marine, dans d'autres couleurs, mettons, c'est mettre ça par-dessus, puis un jean, c'est super beau aussi. Regardez ça. Donc, je pense que je suis prête pour aller à l'école, moi. Donc, ça donne un petit look, on dirait écolière, là, mais c'est tellement fashion. Puis la blouse blanche, on s'entend que c'est un essentiel au début de chaque saison. Ça nous prend ça, il faut renouveler ça. Le blanc, bien, c'est sûr, ça se défraîchit à la longue. Puis, je trouve tellement c'est pratique. Elle est très longue, donc elle passe à bien longue. Elle est ici, là, c'est pas un modèle court. Donc, vous voyez, je l'ai rentré en dedans, c'est parfait, là, si vous voulez, quelqu'un qui est plus grande, puis quelqu'un ne veut pas l'avoir trop courte, des fois, là, c'est parfait. Donc, je vais faire un tour sur moi-même, mais je vais me gâter. Donc, et voilà. Donc, Alex est de retour, donc je reviens. Je disais à Michel, je la voyais en arrière, je dis, ben vas-y, c'est à ton tour. Elle était là, ouais. Ben non, Alex, c'est à toi. Fait que prochain kit, veste, doudoune, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On en a beaucoup, des choses différentes. Celle-là, elle est deux couleurs, là, je suis prêt avec l'étiquette, là. Mais elle peut être reversible. Bon, c'est pas officiellement reversible, mais on l'a essayé, puis on trouvait ça intéressant, parce que, dans le fond, c'est seulement la fermeture éclair qui l'est pas. Non, là, je l'ai remis de la même
couleur. Donc, si je vous mets ça du côté rouge, c'est seulement que si vous la mettez ce côté-là, vous ne pouvez pas la fermer, mais regardez, ça donne quand même vraiment un beau look. Ça vient ajouter un punch à un kit, je trouve. Ça vient vraiment y donner un look différent. Et puis, cette blouse-là, moi, ça a été un coup de cœur dans mes trouvailles. Je trouve que ça fait original. Ça me fait penser à une blouse que j'avais quand j'étais vraiment, vraiment plus jeune. Puis c'était un designer, puis je me faisais arrêter avec cette blouse-là. J'ai eu ça pendant des années. Je trouve que ça vient donner un look juste différent. Les lèvres, ça fait très féminin avec le rouge. Je suis venue mettre ça avec un nouveau jeans qu'on a, le confort total, total. Je vous le dis, il est tellement extensible, hyper confortable. Donc ça, on s'entend là, à porter avec n'importe quoi. Alors voici. Et je vais me changer. Alors, encore une belle trouvaille ce matin. Moi, je vous le dis, je ne savais même pas quoi prendre pour me mettre sur le dos. Tout est magnifique. Alors, on remarque encore le retour du noir avec des colorations de beige. Ça aussi, ça va être une tendance qui est très forte. Cuirette, pantalon de cuirette, mais très important. Regardez sa forme. Poche côté, 7/8 et détail en bas avec une toile de jean beige. C'est très intéressant. Donc, ça donne encore un look différent, un cachet, un accroche-œil. C'est des trucs qui sont le fun, ce sont des détails qui sont importants. Et la qualité des textures, on est bien, les tailles sont hautes, c'est tout stretch. Alors, c'est vraiment confortable. J'ai choisi de le mixer avec un overvest très fun en coton beige que vous pourrez porter comme ce soir. C'est le fun parce que souvent, on a un entre-deux qui est quand même assez long, on ne sait pas quoi mettre. Ça, là, je vous le dis, là, vous pouvez mettre ça par-dessus n'importe quoi. Regardez la couleur, c'est super le fun. Et en dessous, quelque chose de facile qui redonne un peu de teint. Vous savez, moi, je suis une fille qui aime beaucoup le blanc en dessous des choses. Je trouve que ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitalité. T-shirt blanc, manche longue, très confortable. Alors, vous le voyez, là, je l'ai rentré juste en avant, mais j'ai quand même de l'ampleur. Et un beau message encore pour aujourd'hui. Peace, la paix. Alors, c'était mon dernier kit, mais non le moindre. Écoutez, venez nous voir en magasin, vous allez découvrir des merveilles. À bientôt. De retour avec mon dernier kit. Regardez ça, c'est vraiment beau, hein? Ça, c'est un essentiel. Alex, elle arrive d'Europe, comme vous savez, et elle me dit que ces jupes-là, il y en avait partout. Là, je le porte encore avec ma fameuse botte haute. C'est super beau, botte courte. Mais les petits baskets, là, ce serait vraiment aussi bien. Donc, elle dit qu'il y en avait partout. Puis, c'était vraiment un beau style. Puis, elle est versatile. Donc, autant, là, comme vous voyez, je les mets avec un tricot. Donc, le fait que j'ai mis un talon, ça fait un peu plus chic. Mais je pourrais arriver pour aller travailler avec une blouse comme ma blouse de tantôt. J'allais avec la cravate, un veston ou un coat jeans, t-shirt. Je pense que vous imaginez le look, hein? Donc, c'est vraiment pratique. Surtout le satin, vous pouvez le porter en tout temps, elle a une belle longueur, tout ça, on l'a dans d'autres couleurs en passant. Le tricot, regardez ça. Bien, je devrais dire un style ouaté, mais regardez la manche, c'est tricot, dans deux teintes. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est évasé ici, puis ça donne un look un petit peu plus féminin, donc ça fait un petit peu plus habillé que si c'est arrêté la manche toute unie, là, en haut. En ouaté. Donc, c'est ça qui fait vraiment son look, vraiment confortable, là. Puis, on a dans plusieurs couleurs, celle-là aussi. Puis, je trouvais que ça mariait bien avec ma jupe. Et qu'est-ce que j'ai fait, c'est que, je ne sais pas si vous voyez, j'ai passé ma ceinture ici. Et j'ai rentré le tricot, je devrais dire le chandail, en dedans ici. Puis, je l'ai laissé dépasser un peu la bordure, juste pour y donner un petit look, pour souligner la taille. Et pour celles qui veulent vraiment oser, comme moi, des fois que ça m'arrive, j'aime bien le lousse aussi. Donc, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire aussi. Vous pouvez toujours le mettre avec, comme je dis, une petite basket, puis le laisser carrément de main. Donc, ça donne vraiment un autre look. Ou juste rentrer aussi dans ici, comme ça, de main. Donc, vous pouvez jouer avec ça. Donc, c'est tout pour moi. Alex, es-tu correct? Oui. J'ai chaud. Elle a chaud, je comprends, à court.
Mais je vous souhaite une belle fin de semaine, une grande fin de semaine, il fait beau. Venez nous voir, on a d'autres, on ne peut pas tout vous montrer, là. Puis allez voir sur notre site aussi, on a mis beaucoup en ligne. Alex, elle a travaillé fort hier, là, puis pour tout mettre ça. Donc, je souhaite une belle journée aujourd'hui. Donc, Alex, elle est là, super beau, ton sur ton, super. Bye bye! Oui, là, j'allais jouer ton sur ton. Je me battais avec mes bottillons qu'on vient d'avoir. Je vous les montre, là. Ils sont tellement beaux. C'est comme un bas en haut avec le talon, le compensé. Donc, on n'a pas l'impression d'être en talon, mais ça vient quand même nous grandir d'un 2 pouces. C'est intéressant comme hauteur. Ils sont vraiment confortables. Donc, je me battais à les mettre parce que, évidemment, vous le savez, j'aurais pu mettre mes petits bottillons courts cow-boy que nous allons avoir en repeat probablement début de semaine prochaine. Il y a tellement de monde qui veulent, donc vous regarderez ça en ligne. Ça va être intéressant à porter pour le début de saison. Vraiment, une petite botte aussi intéressante à avoir. Alors, je suis venue mettre un manteau. Je vous dirais, c'est un mélange de tricot et de doudoune là, sur le côté. Dans les tons de beige, on l'a en crème aussi. Je le trouve hyper élégant. Et là, ça, c'est le look Alex, c'est sûr. Robe tricot, mais pas épaisse, donc vraiment souple. La poche comme ça sur le côté, je la trouve super le fun. On peut venir la mettre avec un bas nylon aussi un peu plus tard. Je la trouve vraiment, vraiment fun. Ah oui, je pourrais le montrer. Ça, c'est la couleur crème aussi qui est vraiment beau, là. Je les trouve super élégants, ces manteaux-là. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur ça. Alors, voici robe qu'on a en noir et en beige, mais en entrée de saison comme ça en beige, je trouve ça le fun. Mettre une belle veste longue de tricot avec ça, ça pourrait être hyper intéressant aussi. Alors, je vous souhaite un super bon long week-end. Nous, on est, je vous le dis, il fait chaud dans le magasin. Nous, on va être là, aujourd'hui, on est là toute la journée, on est là samedi, congé dimanche et lundi, mais on est là en ligne si vous avez quoi que ce soit. Venez nous voir parce que oui, j'ai mis beaucoup, beaucoup de choses en ligne, mais on en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ça va nous faire plaisir de vous voir. Je vous souhaite une super belle journée et j'espère que je vais réussir à bien fermer les téléphones cette fois-ci. Alors, bon week-end et on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde! Alors...